Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que je vous en avais fait une, donc là aujourd'hui c'est petit tuto sur ma carte The Lost Corner of Design, donc qui s'appellera The Lost Corner à sa sortie. Donc aujourd'hui ce sera, on va avoir une petite série de tutos sur les animaux. Donc aujourd'hui ça va être un tuto sur les vaches, puisque les vaches, particularité qu'il y a, c'est qu'il y a une amélioration totale mélangée à faire. Il y a des herbages, je vais vous montrer où ils se situent sur la carte. Je vais vous montrer, pour être un peu plus RP, comment les déplacer, ou après vous pouvez directement les acheter directement dans l'herbage. Mais là, pour le moment, on va attaquer par faire la ration totale mélangée des animaux. Donc maintenant, la ration totale mélangée se compose en 4 aliments. Donc l'orge de printemps, le colza, l'ensilage et le foin. La paille servira que pour le paillage désormais, ou l'alimentation dans les auges. Donc la paille, bah, vous allez pouvoir en produire et en donner comme ça aux vaches, ils vont pouvoir en manger. Mais la particularité, c'est l'ajout du colza et de l'orge de printemps en plus du minéral. Donc vous avez une grande plage pour faire votre ration totale mélangée. Donc là, la première partie, bah, on va préparer un bol mélangeur. Donc on va utiliser la CO Farmer de Univers Simu. Donc bah, là, on va... Mince. Si je laisse le tracteur, comment, la super force, ça va pas aller. Donc là, on se situe dans la ferme des vaches que je vous montrerai après sur le PDA. Donc vous avez la particularité d'avoir des poules, pardon, excusez-moi. Donc là, non, on va prendre le télescopique. Donc j'ai préparé tout. Hein. Quand vous commencez, vous avez déjà de l'ensilage, du foin et de la paille. Le colza, ça sera à vous de d'en faire. Donc déjà, on va prendre les deux ballots du dessus. Bah, on va déjà en mettre un. On va déjà en mettre un. Donc si vous entendez des bruits derrière moi, c'est normal, c'est ma fenêtre ouverte. Donc excusez-moi pour les bruits un peu dérangeants. Hop. Donc là, on va aller chercher vite fait deux bottes de foin. Donc avant d'en farming, de base, vous mettez deux bottes de foin et deux bottes d'enrubanage. Et ça suffisait. Mince. Là, bon, je fais ça comme un cochon. Vous m'excusez, mais d'habitude, je joue pas comme ça. Hop. On recule. Donc là, on va mettre les deux bottes de foin. Après, pareil pour les poules, vous avez le blé dur qui est arrivé. Et je crois que l'orge de printemps n'est pas... Ou c'est l'orge de printemps, je me rappelle plus quel animal ont récupéré l'orge de printemps et le blé dur. Donc là, vous allez avoir une série de tutos sur la carte des animaux, de là où ils se situent, les fermes, les présentations des fermes. Donc, attendez-vous à avoir à peu près une dizaine de vidéos qui vont sortir à peu près tous les deux jours à peu près. Donc déjà, on va remettre la visibilité. Donc là, mince, vous avez une simulation de 15 vaches, 25 vaches, pardon. Donc là, vous voyez, dans la ration, on est déjà bon. Vous voyez, on peut en mettre une botte d'ensilage, par exemple. Puis après, on va compléter avec du colza et de l'orge de printemps. Les minéraux, j'en mets jamais. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Vous m'excusez si vous entendez un siège qui grince, c'est le mien. Hop. Donc vous pouvez mettre deux bottes d'enrubanage, deux bottes de foin. Le reste, vous complétez en colza. Hop. Donc surtout, vous étonnez pas que au début, ça va vous mettre la texture de... De colza ou de l'orge. C'est juste que quand la ration est bien faite, ça se passe plutôt d'avoir mis les bonnes textures, quoi. Donc là, on va aller voir vite fait dans le tracteur. Donc là, vous voyez, ça remplit. Et hop là, vous avez déjà 1000 litres de la ration totale qui est faite. Est-ce que... Non, on voit pas. Donc là, vous voyez, par exemple, il me reste sur le colza à mettre.
Donc là, on va pas faire une grosse ration, on va faire. Vous m'excusez, je suis déjà tous les tracteurs. Donc là, on va mettre du colza. Et après, on ira préparer notre botte de paille pour les animaux. Donc, si vous entendez aussi des notifications pendant la vidéo, c'est merci Gifit qui a fait une présentation de la carte. Donc, bah là, je fais la suite de la vidéo, plus la série tuto pour les personnes qui vont découvrir la carte. Donc, je vous laisserai découvrir la carte par vous-même quand elle sera sortie sur le mode up. Donc, elle va être envoyée sur le mode up. Va tout avoir. Bon, après là vous voyez les ballots qui sont tombés, mais c'est normal, c'est ce jeu était tellement bien codé, pardon, que voilà. J'aurais peut-être dû acheter un deuxième télescope. Alors, pas ça marche avant, toi. Bon, Bruno, tu m'excuses si tu vois la vidéo. Je ne souhaite pas abîmer tes outils. C'est juste que la physique de farming est un peu pétée. Puis, comme je joue beaucoup en vue intérieure, c'est pour ça. Hop. Mais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fail? Hop. Et enfin. Bon, là, je joue vraiment pas au roleplay du tout. C'est juste pour vous montrer. Donc là, cette stabilisation-là. Voilà. Donc celle-là, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. L'eau est générée automatiquement. Donc vous avez de la paille à mettre, de la nourriture et du lisier à récupérer, du lait uniquement. Donc là, comme la ration elle est prête, on va aller préparer voilà, leur donner. Et après je vais vous montrer les herbages, la particularité. Il faudrait pas plus grand. Hein. Non, c'est pas bon côté. Ah. Bon, voilà, vous avez compris, hein, vous mettez à donner votre nourriture correctement. Vous passez l'inverseur et puis voilà. Hop. Comme ça, vos animaux sont nourris. Là, on va aller mettre la paille. Donc après, cette stabilisation-là ne change pas de celle de base. Hein, c'est la hormone toute normale. Donc là, par exemple, pour ces vaches-là, c'est la limousine. Vous êtes à peu près à 20 000 de capacité. Donc, ouais, un peu plus de 30 000, je crois. Un truc comme ça. Donc là, on va juste mettre de la paille. On va mettre un ballon, on va pas s'embêter. Voilà. Non, 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 s'il te plaît. Bon, bref. Ah, on peut pas pailler comme ça, enfin. C'est pas mal votre idée. Ah, oui, d'accord, on paye ici. Et là, vous allez voir, la paille va monter au fur et à mesure. Là, vous avez de quoi faire
Des animaux de base. Bon, après, vous commencez, vous n'avez pas le matos pour faire des animaux, donc c'est à vous de l'acheter. Donc, après, c'est à vous de vous débrouiller. Il n'y a pas de fumière dans cette ferme-là. J'ai pas voulu en mettre. Puisque. Il y a certaines fermes. Voilà, c'est beaucoup de lisier qu'ils font. D'autres, c'est beaucoup de fumier. Ça dépend les fermes. Après, pour remplacer une, ça va être compliqué. À moins que j'en trouve une. J'arrive à vous en faire une toute petite qui pourrait se caser quelque part. Donc là, voilà, là on a fait les. La nourriture, la ration totale mélangée des vaches. Donc là, on va aller décrocher la pailleuse. Et on va reprendre le pic. Et je vais vous montrer les 2-3 particularités des herbages. Donc, hop. On accroche ça. Donc les Angus, qui ressemblent plus à des wagyu. Vous pouvez mettre de l'eau et puis la nourriture basique, on va dire, des animaux. Donc, hop, on va aller chercher du foin. On va en prendre 2 bottes. Et on va aller déposer les limousines. Attendez, je vais essayer d'aller choper les 2 là-bas. Hop. On va aller déposer avec la Roll Rock. La Roll Rock. La Roll Van, pardon. On va les déposer avec la Roll Van les vaches, puisqu'il y a 4 herbages de vaches en plus de la sablation. Donc là où vous voyez le Dutch avec la Roland Roll Van, c'est une herbage. Donc sur le PDA, il faut que je remonte. Donc sur le PDA, la ferme principale se situe ici, à 57 000 euros. Et en fait, en dessous, là, toute la partie en bas là. Plus une partie qui ici vous est à acheter pour faire des vaches, et en plus vous disposez de cette partie là, cette partie là en haut des vaches. Donc je vais vous activer ça. Donc vous voyez où se situent à peu près les herbages, donc vous avez de quoi faire. Là on va déposer les animaux. Donc là vous voyez, ils sont dans l'herbage tout simplement. Donc vous inquiétez pas si des moments vous voyez vaches sur la route ou en dehors des clôtures. C'est totalement normal, j'ai tout fait pour essayer de corriger ce problème-là. C'est très compliqué. Donc bah vous veuillez m'excuser, je vais faire tout mon possible pour essayer de corriger ça. Donc là bah, vous rentrez dans l'herbage, vous pouvez en mettre 8 si je me trompe pas dans celle-là. 8 ou ouais c'est ça, 8. Et puis bah, après vous venez avec vos ballots et vous posez ça sur l'auge. Et voilà, comme ça vos vaches ils ont à manger. Donc ici ça va être les là qui en a le moins. Donc là vous voyez c'est 3000 de capacité, donc un ballot en moyenne ça suffit. Ça suffit pour à peu près 20 heures qu'on m'a dit. Vous vous mettez un ballot et voilà. Après vous pouvez apporter de l'eau. Donc l'eau normalement j'ai fait en sorte que vous ne soyez pas obligé de rentrer dans l'herbage. Vous pouvez la déposer en dehors. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va aller reporter le télescopique à la ferme. Donc là, vous avez de quoi faire, hein, autour de la ferme des vaches. Hop. Donc le tracteur est ici. On va s'en aller vider ça. Donc vous prenez la route, hein. Voilà, j'essaie de jouer un peu sérieux quand même, même s'il y a un peu de conneries de fait. Bon, ben voilà. Mais le plus simple reste quand même. Le plaisir de pouvoir déplacer ces animaux est présent maintenant. Les bétaillers, au moins, ils ont une utilité. Certes, beaucoup de joueurs vont faire à leur façon, c'est-à-dire remplir toutes les herbages. Là, il n'y a aucun plaisir. Là, il n'y a vraiment aucun plaisir à faire ça. Donc là, quand vous arrivez ici, vous avez le choix.
Normalement, si j'ai bien fait mon truc, vous pouvez entrer dans la caserne des pompiers. Vous venez vous mettre à ce niveau-là. Comme ça vous évite. Normalement, si je. Ouais, normalement, vous pouvez. Ouais, voilà. Vous pouvez vous mettre à ce niveau-là pour remplir les auges. Donc là, pareil, c'est 2000 litres. 2000 litres, ça fait un peu moins de 24 heures. Donc vous allez venir deux fois pour donner à manger à vos bêtes. Donc voilà. Donc la partie des animaux, des vaches, elle va arriver à la fin. Donc bon, là, vous refermez bien sûr l'herbage. Donc là, vous avez cette petite herbage-là qui se situe ici, qui est assez grande déjà. Vous avez ces deux-là qui font une capacité de 70 bêtes. Et en plus de ça, vous avez la partie qui est tout en haut ici, pardon. Ici, qui est tout en haut là, et pareil, vous pouvez mettre des animaux et vous reculez ici pour amener vos vaches, en sachant que les bétaillères ça passe facilement, puisque je l'ai fait, hein, j'ai fait en sorte qu'un tracteur puisse passer facilement. Bon, pas après avec un roue jumelé, bien sûr, mais vous pouvez venir vous occuper de vos animaux ici. Donc là, le premier tuto pour les animaux. De fait, donc là c'était la partie vache. Donc on va se retrouver pour le prochain tuto, soit pour les cochons, soit pour les chevaux. Puis après on finira par les moutons. De toute façon, ça sera les moutons. Après, vous disposez aussi dans toutes les fermes de 150 poules. Dans 150 poules pour pouvoir alimenter une production qui sera dans un tuto prochainement. Il y aura aussi un tuto sur la culture de moutarde, puisque tout le monde va se demander pourquoi. Et sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.